Salut Nico, bon alors, t'as fait tes 18 trous de repérage, dis-moi un petit Exactement. peu comment ça s'est passé. Bah écoute, pas trop mal, on essaie de garder des forces finalement, donc quelques drives au début pour se régler. C'était surtout faire une reconnaissance, voir ce qui avait changé par rapport à l'année dernière. C'est un parcours qu'on a déjà joué, hein, le Almaden 1. Donc pas mal de départs et d'arrivées différentes. Donc c'était vraiment bien de faire tous les putts. Tu le préfères comme ça? Tu préférais l'an dernier? Il est plus dur, plus facile? Alors les arrivées sont plus faciles, mais ils ont ajouté la difficulté sur la longueur. Je pense qu'il faudra frapper très fort. C'est plus long? Ouais, c'est assez long. Il faudra taper très fort pendant je pense 4 rounds pour être bon. La fin du parcours est plus facile quand même. Sur la fin, c'est peut-être là où il faudra prendre des birdies et pas perdre de coups avant. Est-ce que tu as repéré des trous accidentogènes? Plus que d'autres? Plus que d'autres? Non, comme ça, pas plus que ça. Que ça, il faudra juste être intelligent, pas faire trop d'erreurs, rentrer les putts, ça devrait plutôt bien se passer et surtout pas perdre trop de coups par rapport au leader, quoi. Surtout ça y est. Toi, t'es arrivé hier. On est arrivé hier, on a pu se poser un petit T'es peu au jardin de Lagdal au jardin de Lagdal, avec exactement. les copains. Ouais. Quasiment tout le monde est là. Oui, L'ambiance est bonne. l'ambiance est très bonne, on a fait un petit repas ensemble hier soir, c'était sympa. Ensemble du un petit apéro et puis coucher assez tôt pour se lever ce matin très tôt pour être là à l'aube. Hein, il faisait encore nuit quand on arrivait. Pas trop de pression pour l'instant. Non, là c'est que du plaisir. On commence à, ça y est, à prendre À conscience sentir que c'est la Coupe l'ambiance. du Monde, à se dire tiens là il y a plein de maillots de plein de couleurs de plein de pays. Là ça y est, on rentre dans le vif du sujet cet après-midi, repérage du deuxième parcours. Et puis bah, voilà, demain ça y est, on y est, on Qu'est-ce que attaque. tu t'es fixé comme objectif? À titre personnel, on va essayer d'aller chercher un top 30, c'est ambitieux, mais faut se fixer des objectifs assez élevés. Donc voilà, top 30, c'était vraiment magnifique pour moi, hein, en tout cas, hein, vraiment très très beau. Top 50, ce serait également très bien. Maintenant, voilà, c'est de faire bonne figure et Oui, surtout parce de. qu'il y a 500 joueurs, on le rappelle, hein. Voilà, c'est ça.